Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre le Stade Malherbe de Caen à l'extérieur. Ensuite, on voit qu'on va terminer le mercato dans cet épisode. Donc voilà, ensuite un match contre Lille. Et on va commencer notre campagne en Ligue des Champions contre la Gantoise. Mais on va donc partir pour le premier match contre Caen. On voit qu'on a totalement changé la composition d'équipe. En attaque, Gabriel Cornet, Grenier, Mvemba, Fofana, Gonalon au milieu de terrain, Grimaldo, Rose, Morel, Raphaël en défense et Nardi au but. Donc j'ai fait tourner parce qu'on a bientôt le match contre Lille et il sera plus compliqué normalement que le match contre Caen. Donc faut tout de même pas sous-estimer les Canets, hein, ils peuvent être très bons. Et c'est parti donc pour ce premier match. Donc match contre Caen à l'extérieur. On commence directement avec une occasion à la 19e minute avec Gabriel qui tente une frappe surpuissante, on le voit ici, hein. La balle qui aurait vraiment pu rentrer et marquer un joli but. Non, plus sérieusement, c'était vraiment de la merde sa frappe. Mais on va le retrouver une nouvelle fois ici, qui sert Fofana. La fin de frappe, il la lui remet. Et cette fois-ci, c'est une magnifique frappe qui part sur la barre transversale. Donc Gabriel qui se rattrape de sa frappe pourrie d'avant. Une occasion pour les Canets à la 61e minute. Quel arrêt de notre jeune gardien Nardi sur cette frappe à bout portant. Coup franc de Beauvue à la 70e minute, ça passe à côté. Et on n'arrive toujours pas à ouvrir le score dans ce match. Un nouvel arrêt parfait de notre gardien sur cette action. 83e minute, on approche de la fin du match quand Hakim Nouri prend la balle, il réussit à crocheter un joueur et frappe à l'entrée de la surface, c'est dedans, on ouvre enfin le score à la 85e minute. Donc c'était un match très compliqué, hein. Nouri qui était entré en jeu vient ouvrir le score et va nous permettre donc de nous imposer dans ce match 1-0 contre Caen. On prend les 3 points, c'est très important, on voit que les Canets ont tout de même bien joué, 3 tirs encadrés pour eux, 8 tirs, 3 cadrés pour nous. De notre côté, c'est Jérémy Morel qui va être nommé homme du match. Avec une très bonne note de 8,1. Notre gardien qui a été bon à 6,9. But de Nouri, notre jeune milieu offensif. Victoire 1-0 contre Caen. Voici la liste des joueurs appelés en sélection. Gonalon et Lacazette sont sélectionnés en équipe de France. Et Lopez avec le Portugal. Et ensuite c'est la fin du mercato. Donc on va faire un petit résumé. Monaco qui a signé Alexandre Bateau et Fegouli pour 31 millions d'euros. Et donc on leur a eu Nardi en prêt. Donc deux grosses recrues du côté de Monaco. Ensuite Saint-Etienne qui a signé Erkin pour 8,5 millions, donc c'est un joueur que je ne connais pas. Paris a acheté deux joueurs pour 4,5 millions. Et donc voilà notre résumé pour ce mercato. On a réussi à faire venir Gabriel pour 9 millions plus Guézal. On a acheté Nouri pour 4 millions. On a eu Nardi pour un prêt sans option d'achat. Grimaldo pour un prêt avec une option d'achat à 0 €. Et on a fait partir Guézal, donc on l'a échangé pour Gabriel. Et on a prêté Nguini, Diakabi, Kemen et Kaloulou. Prochain match contre Lille, une grosse rencontre nous attend à domicile contre des Lillois qui ont tout de même une bonne équipe. Notre équipe qui s'est reposée après le match contre Caen vu qu'on avait fait jouer l'équipe 2. On va donc partir pour ce match contre Lille. We'll be right back.
Fin du match, une excellente prestation de nos joueurs avec une victoire 4 à 0 contre Lille qui a été réduite à 10 contre 11. Les Lillois ne nous ont pas du tout inquiétés. 11 tirs, 6 cadrés pour nous. L'homme du match est de notre côté. Et c'est Claudio Beauvu qui est sorti en fin de match. 9,6 de notes pour son doublé, sinon but de Valbuena et de Cornet. Passe décisive de Beauvu, Fekir. Défense a été très bonne, 7,5 pour Umtiti. Leur côté, c'est leur gardien qui s'est pris un carton rouge. Et donc, Elana a dû rentrer en cours de match et il s'est pris donc deux pénaltys, le pauvre. Fin du match, grosse victoire 4 à 0 contre Lille. Prochain match contre la Gantoise. On commence la Ligue des Champions contre cette équipe donc, qui est prenable largement. Donc, en attaque, la casette Beauvu. Beauvu qui nous a fait un match excellent contre Lille. C'est parti. On débute notre campagne dans cette compétition. Avec ce match, et ça commence à la 4ème minute, avec Gonalon qui passe la balle à Beauvu, le dribble, il rentre de la surface, la tentative de lob qui est bien arrêtée par le gardien. 17ème minute, une nouvelle fois Beauvu réussit à passer un joueur, le beau dribble, et on tente une frappe qui est totalement pourrie par contre. Gonalon à la 35ème minute pour la casette, beau jeu de passe, et c'est encore une fois Beauvu qui frappe, et cette fois-ci ça rentre. Beauvu qui est très très bon en ce moment, vient ouvrir le score dans ce match de Champions League. Une belle frappe qui finit dans le petit filet droit du but. 1-0 pour nous donc dans ce match. À la 38ème minute, une occasion pour la Gantoise avec Maton qui passe la balle à Raman. Et là, le centre est parfait pour le but de Maton. Une égalisation très rapide de l'équipe adverse sur un beau but et une belle construction. Ils reviennent donc à égalité un partout. Et juste avant la mi-temps, Christophe Jallet reçoit la balle dans la surface. La reprise magnifique bien arrêtée par le gardien. Une très belle frappe dangereuse qui aurait pu nous faire reprendre l'avantage. Mais malheureusement, le gardien était bien là. Et retour des vestiaires, Beauvu reçoit la balle. Il donne une bonne balle pour Valbuena. La frappe est contrée et ça revient sur la casette qui marque le but du 2-1. On reprend donc l'avantage à la 50ème minute grâce à ce but de la casette. Alors que le gardien n'était plus dans ses cages. Coup franc pour la Gantoise à la 58ème minute. La frappe qui passe à côté. 62ème minute, cafouillage de notre surface de réparation. Et évidemment, on connaît notre chance. La belle frappe qui rentre. Égalisation de la Gantoise par deux poitres à la 64ème. Ce n'est pas du tout mérité. La Gantoise qui a eu que 3 occasions pour l'instant et qui marque. À la 77ème minute, deux poitres entre dans la surface. Beau retour d'Umtiti. J'obtiens la balle avec Jallet. Là, j'ai tenté de dribbler comme un con. Je me fais prendre la balle. Et là, bien sûr, le joueur s'arrête juste pour éviter mon tacle. Et il vient marquer le but du 3-2. But totalement immérité. Une nouvelle fois, hein, on s'est vraiment fait voler ce match. 3-2 pour nos adversaires. La casette à la 82ème minute. Le brûlé avec Beauvu. La frappe arrêtée par le gardien. Et donc fin du match. Défaite 3 buts à 2 contre la Gantoise. Match volé. 5 tirs 3 cadrés pour la Gantoise. 8 tirs 6 cadrés pour nous. Ils ont marqué des buts pourris sur des occasions chanceuses. Et on perd donc notre premier match de Champions League. Et c'est sur cette défaite que va s'arrêter la vidéo. Donc on aura tout de même gagné 2 matchs sur 3. Une victoire 1-0 contre Caen. Et une victoire 4-0 contre Lille. Et on a perdu ce match. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires pour la carrière. Merci d'avoir regardé, salut !